Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la fabrication des masques de protection. Vous l'avez vu en ce moment, on en a vraiment besoin. En plus le gouvernement est en train de faire marche arrière sur « on porte tous un masque maintenant ». C'est quoi cette blague? Donc c'est très simple, je vais vous montrer rapidement comment fabriquer un masque maison. Je vous montre les outils. Donc voici le nécessaire pour fabriquer le masque. Des élastiques, d'accord? Classique. Une agrafeuse. Ok, un ciseau et surtout les filtres. Ces filtres-là, ce sont des filtres à café. L'idée, elle est venue de ma femme. Filtre à café. Pourquoi? La forme bec de canard, très intéressante. L'idée, pourquoi en avoir deux? Deux parce que, regardez, sur un, ici, il y a un renfort. De l'autre côté, il n'y a aucun renfort. L'idée, c'est de rentrer le deuxième dans le sens opposé, d'accord? Pour le deuxième, ce qu'il faut faire, c'est raccourcir celui-ci parce qu'il va déborder. Regardez, il déborde. On enlève celui-ci, on le découpe proprement. Impeccable. On reprend l'autre. Ensuite, on ouvre le filtre entier, on rentre l'autre partie du filtre, comme ceci. Donc ça fait deux filtres. Vous voyez bien que quand ça va être ouvert, ça va faire une jolie forme bec de canard. Ensuite, pour l'élastique, c'est pas compliqué, on découpe. Nickel. Une fois que l'on a notre élastique de coupé et nos filtres, ok, il ne nous reste plus qu'à agrafer. Donc très simple, hop, ici une partie, regardez, tac, on agrafe l'autre côté, à peu près au même endroit, ok, impeccable, regardez comme il est beau. Regardez ça, c'est pas magnifique? Sérieux? Hey. Impeccable! En tout cas, c'est mieux que rien. Et en plus, ça coûte pas cher. Je peux même les appeler les filtres FFP4. Voilà. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.